On prend une grande claque avec le résultat d'hier soir, la victoire de Besançon à Saintes. Bon, comme d'habitude, hein, il faut avoir son destin entre ses mains. C'était pas notre cas. Besançon l'avait et a été cherché. Maintenant, voilà, on est arrivé ce soir avec quasiment une certitude d'être en N1, donc c'était un peu compliqué. Malgré ça, effectivement, on rentre pas trop mal dans le match. La défense fonctionne bien, on leur pose des problèmes. Et puis voilà, il y a ce. À nouveau, on leur offre 4 ballons de suite. On est à 12-12, 17-12. Oui, bah oui. Que des contre-attaques, je crois. C'est ça. C'est simple. Première mi-temps, on prend 8 contre-attaques. On prend 16 buts. 17 buts. 17 buts, il y a 8 contre-attaques. Les choses sont claires. Les choses sont claires. À partir de là, je pense que le match est fini. Après, on essaye quand même de s'accrocher. On tente des choses. Avec une base arrière un peu inédite. Et qui s'en sort pas trop mal. On passe à moins 10 ou moins 9. Oui, il y a moins 9. Moins 9, mine de rien. On n'abdique pas et on revient. Mm-hmm. On est en train de grignoter. Là, je pense que les arbitres, ils ont voulu le jouer à l'ancienne. Ils ont dit, on s'emmerde pas à avoir une fin de match galère. Ils nous l'ont mis profond pendant 3 minutes. Et puis à partir de là, bah, voilà, le match est plié. Donc. Oui, est-ce que tu reviens? Ouais. 4 ans, je crois. Une victoire ce soir? Victoire, ouais, mais on pouvait pas vraiment venir en prétendant ne pas gagner. On est sur une bonne dynamique et on prétend une place assez haute dans le classement. Donc on ne peut pas venir perdre à Angers qui a presque plus rien à jouer pour ainsi dire. Donc c'était le minimum syndical. Ok. Tu veux rajouter? Sinon, ça fait quoi revenir à... Ouais, ça fait quoi revenir à Angers en fait, hein? Big up. Eh ben, ma foi, c'est sympa. J'ai revu des gens dont je ne me rappelais plus, peut-être. Des supporters, des gens que j'ai passé un bon moment ici, 8 ans. Donc, forcément, il y a des liens qui se sont créés. Et de voir une salle vide ce soir? Comment? Et de voir une salle vide ce soir? Et de voir une salle vide ce soir, ouais. Vide et surtout silencieuse, parce que j'ai quelques gens. Mais c'est vrai que l'ambiance, c'est un peu perdu. Donc, sans doute à cause du niveau. Ça fait 2 ans qu'ils ne gagnent pas beaucoup de matchs. Donc, forcément, c'est normal, mais... J'espère qu'ils vont rebondir et puis on va repartir au bon vieux temps. Ok, merci à toi. De rien.